Les gens l'attendent parce qu'on pense que c'est lui qui pourra arrêter le fils. Après 10 années d'exil, Ben Bella retrouve enfin l'Algérie. Si, sur son action politique, les avis restent partagés, ils sont en tout cas passionnés. En 1954, il était un des chefs de la révolution algérienne. En 1962, premier président d'une Algérie indépendante, seul président civil que ce pays ait jamais connu. Par son charisme, Ben Bella était de ces grands leaders d'un tiers-monde nouvellement reconnu dans les relations internationales. Renversé en 1965 par un coup d'État, mis au secret 15 années durant, celui qui affirme avoir fini par emprisonner la prison est une fois encore au rendez-vous de l'histoire. Ben Bella, l'incontournable. La révolution algérienne 54-62 a ouvert la voie à la décolonisation en Afrique. Sans les sacrifices et sans la victoire du peuple algérien, en 62, il n'aurait pas eu effondrement des empires coloniaux en Afrique. Les premiers jours à Alger après la libération, on voyait partout sur les murs un seul héros, le peuple. Un seul héros, le peuple. C'était vraiment un sujet collectif de l'histoire qui faisait irruption. Et cette légitimité conquise, encore une fois, au prix du sang, au prix de la torture, au prix d'une résistance absolument extraordinaire dans l'histoire des hommes, était incarnée par Ben Bella et ses camarades. One of the first people who get approached by the groups which wish to defend the indigenous peoples in the Americas, or by the Palestinian organizations, or by half a hundred other groups suffering from repression, will be Ben Bella. And I feel that in this, the very unfortunate experiences which Ben Bella went through have given us a friend for life in the struggle for human rights. Il ne faut pas oublier que son nom a été interdit pendant 25 ans. Il était interdit même d'acheter de dictionnaires qui contiennent son nom. Il y a une édition du dictionnaire Larousse qui a été interdite en Algérie parce qu'elle contenait le nom de Ben Bella. Mais il va venir et les jeunes vont se rendre compte qu'il a un projet de société et je suis sûr qu'ils le soutiendront. Avec 65% de moins de 25 ans, un taux de chômage de 23% et une dette extérieure de 27 milliards de dollars, l'Algérie se débat dans une crise économique sans précédent. Après 28 années d'indépendance, la vie quotidienne de l'Algérien moyen reste d'une grande précarité. Le contrôle, la adala, le canon, le rien, la garamambaz. C'est pas possible, ça. Moyen, l'art moyen. La jeunesse, on a une jeunesse vraiment. Une jeunesse perdue. On a une jeunesse raïha. Maintenant, on ne peut pas manger. Quoi, par exemple? Par exemple, toujours drop batata, toujours drop de. Toujours la même assiette. شغل ما عندكش حاجه جديده اون بليس وي تلقى هنا ما كاش لوزمو خو هنا اللي تزوج ما كاش اللي حبي يتزوج ما نصابش خو بشحال البرطمان وي راه 100 مليون 70 مليون 70 مليون يشريه ولا بغى يكريه ما كاش كريه كاع عندنا في الدار هنايا تقني اخ فوا في بيرود مندوف تما رحت باسكو انا جيت تما الدبلوم ديالي تما وعندي الاخر جاي كم دبلوم انا جهاد كونطابل وي تما دفعت تما ورحت ليه قال لي يا خو تكسر راسك ما تجيش كاع تجي لعندي قال لي فيش ما كان اوكان بوست فيد ما كانش كاع لي بوست كاع تما سون كومبلي ما مشتا ما كاش حنا البياسات ما صبناش رانا حاصلين
الفرنسيه يعرفونه لي صابو يعرفونه العسكر ولادنا لي جون العسكر ما يساوهمش جامي يساو العسكر باش يبعثوا له ورقه يبعثوا له ورقه باش يروح العسكر مي باش يبعثوا له ورقه باش يروح يخدم لا لا باش يمدوا له السكنان والو شوف هاد لارونطري هنايا حنا خاص يكون كشهد فينا ولا ما نقدرش ندوزو ميت كيفكم في بيس فيزيتي والداخل راه شوف انا اقول لك والله غير انا صورتهم بيدي 11 طوبه خرجوا في الشتاء الزيكو طلعت شفت بنات تشوف دروب بلون جديد شو لي زيسكالي هادو هادو لي زيسكالي ضربوهم الناس هاد لي زيسكالي راشين كاع ويسمع عاودناهم حنايا خطره برك عاودوهم لافيل دالجي خطره دير واقيلا 70 ولا 72 اللي شافيك تصغير من بعد ما زدوش كاع عاودوهم هادو حنا خدمناهم شو الحطب راشي شو عمره ما تجي هنا سيرفيس سانيتير لا جا حتى واحد واحد ما جاي يجي يماركيو العسكر قال الشهر الجاي الثور تربح الاولاد دو موافر وطرومون بعد واحد ما تجيش تشوفو تروح تشكي لا ولايه قلنا كذا درنا براوات كذا كذا ما دوقت في التصوير حنا واقيلا سان فام ولا شحال قال لهم بعد نزيدو نعاودو نولو صافي قريب عام رانا قريب رانا بريمير في الدو افريل اليوم ما جا حتى واحد شافنا لونسيان مير هو اللي راح الاولين وبعد ما شفناه والو هادو مازال ما بداوش مازال ما شفناهمش كاع الفيس لو دركا مازال ما شفناهمش كاع مازال ما اسمه ما جاوش لينا هي صوفيانيه يا الله فرت احسنت الطب اوكازيون هذيك بون كاين اللي غلطوا على كل حال كسروا وكاين اللي هضروا وعاد فاش دار انا درناها باش بينو حنا نكزيسيو باش هما اللي داروا حاله وجابوا لنا شاكوك طب مع الاخر يقول لك الديمقراطيه الديمقراطيه ماكش من عندك الحق لازم يجيبوا لنا راجل يخدم هاد البلاد تاع الصح الحق جون كخاطون سيت ديموكراسي باسكو سيت اون ديموكراسي دو فاساد سي ني با نو كي افون امبوزي سيت ديموكراسي الا ايتي كالكولي بيان افون افون ديجا لو ملتي بارتيزم لينفتاح لي بروجي دوتونومي ils ont tout prévu on a rien fait tout ce qu'on a fait on a fait que se soulever Corruption, monolithisme politique, crise du logement et de l'emploi, pénurie fréquente et absence de liberté fondamentale, tels sont les maux de l'Algérie post-coloniale qui ont amené les tragiques journées d'octobre 1988. Le soulèvement de la jeunesse algérienne a beaucoup emprunté à l'intifada palestinienne, alors à la une de l'actualité. Arrestations massives, séquestrations arbitraires, tortures, tels furent les moyens utilisés par l'armée pour réprimer le mouvement. Les débuts de la démocratie en Algérie n'ont pas été concédés par le pouvoir. Ils ont été arrachés au prix des quelques 500 morts officiellement déclarés. Le manifeste de la jeunesse sacrifiée inaugure désormais une nouvelle ère, celle de tous les possibles. Et nous, les étudiants, on a raté le coche en octobre. Parce qu'on n'a pas pu donner la direction, une tête à ce mouvement-là. On aurait pu faire plein de choses en octobre, mais on n'était pas là. On était tous éparpillés. On n'a pas pu donner un sens à ces revendications parce qu'elles étaient légitimes, elles étaient sociales avant tout. Je crois que j'ai été le dernier journaliste à l'approcher et à l'interviewer en mai 1965. Un mois avant le coup d'État militaire qui l'a privé de ses fonctions et en même temps qu'il a privé de sa liberté. Or, dans cette interview que j'ai publiée dans le quotidien La Suisse de Genève, il a dit d'une façon expresse que le parti unique n'était pas une fin en soi. Et c'était une phrase extrêmement difficile à dire à ce moment-là, alors que le FLN était au pouvoir et était vraiment le parti unique. Et je trouvais extraordinaire qu'un chef d'État reposant sur un parti unique, ose exprimer que l'avenir ne serait pas un parti unique. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective, en approchant d'Alger, dans une perspective, pour la première fois, dans un pays arabe et dans un pays africain, d'un multipartisme et d'une démocratie en devenir.
courage. C'est un peu ça qu'ils sont en train de gagner aujourd'hui. يا خويا احنا خاطرنا بوليتيك وما يحبوا يديروا بوليتيك يا خويا يمدونا حقنا واش نطلبوا من الحكومه نطلبوا الخدمه نطلبوا نعيشوا ونخدموا على البلاد كلمنا نحوسوا على حاجه نديروها انا عارف الدائره انا كبيره انا كاين تقول الجينا بلونش تقلت الجينا غريس ونهار كانت الجيران بوليتيك هاو جا دار حزب هاو الاخر راح يدير حزب هاو الاخر راه يدير حزب ودوك هاد الاحزاب هادو واش راهم يديروا الفايده تاع الشعب ولا الفايده تاعهم ولا واش يحبوا او ما من اليوم هو جاي بنبلة ودوك بنبلة يسكنا على حساب راي بلا غونت avec son parti le paysage politique va se compléter et maintenant il faut voir. Je crois qu'effectivement, dans ce pays, il y a trois formations politiques importantes, mis à part le FLN, dont on ne sait pas quel va être finalement le sort. Est-ce que les clans qui se disputent vont sortir au grand jour ou bien ils vont rester à l'intérieur et essayer de se renouveler comme ils le prétendent? À part cela, il y a le FIS, il y a le NDA, il y a nous. Nous, peuple algérien, nous on attend le retour du Zaïm. Il nous faut un père. Et on ne peut pas trouver mieux que Bambella. Mbella, c'est un homme sincère. C'est un homme, disons, c'est le premier président algérien. Un parti comme les autres, il doit présenter son programme comme tous les autres partis. Ou les stifters, où il est, dans la dernière. En tant que l'Algérien comme président. On ne le connaît pas, autant que jeune, on ne connaît pas. On ne connaît pas, qui c'est. On ne connaît rien de lui. Alors on peut rien dire, on ne peut pas juger parce qu'on ne connaît pas. Bakri, qu'un président, Bakri. كما الاحزاب الاخرين كاين 22 حزب ولا 26 حزب برك كما هو التعدديه الحزبيه تسمح لكل ابناء الجزائر الذين يرون في انفسهم جداره وقدره وامكانات وفتح آفاق على مستوى العبقرية لشق الطريق بقيادة رشيدة حكيمة في مستوى مستجدات الأحداث. Que Bambella soit populaire, c'est un fait, plutôt qu'un reproche qu'on puisse lui adresser. Il est populaire parce qu'il est connu, parce qu'il est lié, intimement lié à l'histoire de l'Algérie depuis trois quarts de siècle. Son nom est connu surtout des anciennes générations, un peu moins peut-être des jeunes. Il commence à être connu compte tenu du battage médiatique qui a entouré son retour. Bambella peut parler le langage mythologique, c'est-à-dire s'adresser à l'irrationalité des foules, faire bouger les foules. Bambella est capable de drainer les émotions des gens. Ce n'est pas un homme qui nous intéresse, ce sont les intérêts de tous les Arabes qui sont menacés. Il faut que nous nous mobilisions avec nos frères irakiens. Je n'ai pas parlé de guerre sainte. Il n'y a pas de guerre sainte. Mais il y a une croisade. Il y a une croisade occidentale. Même l'Australie a sa flotte maintenant. Et la Norvège qui a une frégate, elle l'a envoyée là-bas. Je sais qu'aujourd'hui, toute la presse occidentale nous reproche d'avoir parlé de mobilisation. Parce qu'aussi, de l'autre côté, on a créé une situation, ce que vous appelez la logique de guerre. Vous êtes déjà sur place avec vos engins. Nous voulons nous mobiliser, c'est tout. Et voilà que
tout l'Occident, eh bien, m'attaque parce que j'ai demandé aux Algériens de se mobiliser. Nous allons demander à tous les peuples arabes de se mobiliser. احنا ندو كما قال لك ندو الغزو تاع العراق الكويت صافي هنيك رانا ما ندو فهنيك الوجود القوى الخارجيه داخل البقاع المقدسه ولا في الخليج هذا امر واضح هذا احنا كون رانا مع الشعب العراقي je suis le premier inscrit volontaire à l'Irak monsieur Hamid Ordon en tant qu'ancien mujahid président d'un parti politique, le mouvement de la jeunesse démocratique est inscrit le numéro 1. انا اتعجب ان الان امريكا تحط مثلا شيخ جابر بتاع الكويت امام مصير الامه العربيه كلها معنى شيخ واحد يساوي العرب كلهم عند امريكا وثانيا هذا الامير ديال الكويت او امراء ديال الخليج كانوا دائما يعيشون في الخارج اذا ليش هو مقلق انه اليوم في الخارج وما عندهم فلوس يمكن يشريوا جزيره ويسميوها الكويت ونعرف ان رامبو الامريكي ربح حرب فيتنام في السينما وخسرها في الواقع انا شامي شطلجيري شامي شطلجيري كيما اليوم الناس قاعده تبكي تحوس على الخبز ماكاش تحوس باش طاشي ماكاش والخدمه ماكاش وين طلعوا يهضروا بوليتيك في الدار بوليتيك برا بوليتيك في القهوي بوليتيك واش عبغوا تقردوا لي بوليتيكار Juin 90, élections municipales, les premières élections libres en Algérie, boycottées par Ben Bella et Aït Ahmed. C'est le Front islamique du salut qui en sort largement vainqueur avec près de 54% des voix. Taux d'abstention, 35%. Reste le grand perdant de ces municipales, le FLN, dont la base populaire s'est considérablement réduite. Fin d'un système, celui du parti unique, fin d'une époque. L'Algérie vit un moment capital de son histoire. في الحقيقة والله العظيم انها لا فرحة تعم الشعب الجزائري من سيوا شنو نبركوا على 10 ايام ولا 20 يوم نقدروا نستناو 6 شهور 7 شهور ونشوفوا الحمد لله ولا دارنا طريق رانا معاه ولا ما درناش طريق بن عمي ما ماشي معاه كاع الحقيقة ان العمل اللي درناه من اللي حكم من يوم يعني اخذنا البلديات والولايات اولا عملنا احصاء للتركة التي وجدناها في البلديات يعني ماذا تركت جبهة التحرير في البلديات عملنا إحصاء ولقينا يعني خسائر كبيرة ولقينا تبذير كبير ولقينا أموال ضاعت مسروقة بغير حق بعد ذلك قمنا بحملة مع الشعب توعوية وعينا الشعب بأن الظرف صعب لأن الشعب كان ينتظر أن غير تحكم الجبهة الإسلامية تحل كل المشاكل أزمة السكن أزمة الطرقات أزمة المياه أزمة الكهرباء تحل في يوم ونهار في 24 ساعة احنا حاولنا أن نفهم الناس أن 28 سنة تخريب وفساد في الأرض لا يمكن أننا نصلحها في ظرف ثلاث أيام أو ثلاث شهور أو حتى سنة أو سنتين L'apprentissage, ce sont ceux qui ont créé le fils. Depuis 62, le mal développement, le fait que pour exprimer la frustration, le mécontentement de la population, il n'y ait absolument aucun autre créneau que la mosquée, c'est ça qui a provoqué précisément le succès du fils, sans compter que celui-là n'a pas du tout, comme vous le croyez, une victoire sur la base, sur une base programmatique, mais sur une base morale en dénonçant la corruption de détournement. Et je peux vous dire que le fils, maintenant, s'il devait refaire les élections, il serait perdant. Hein, il n'aurait pas plus de 10 à 15% parce que précisément, toutes les promesses qu'il a faites, il n'a pas pu les tenir. دوك سما حنا لو سبوار ديالنا انا دابري موا سما جي نستنى الفيس ماشي نستنى انا ما نستنى ربي عز وجل باسكو راه غادي يدي له سما دوك الفيس سما يا بالي اون دو اسلام هايدا هضر باسلام دوك انا نتبعو على باسكو كي قال كلمه الحق اسلام دوك اذا خدع سما يخدع ربي هايدا خدع ربي كاين فيس كاين دون الفيس سي عباس المداني كاين قمازي كاين علي بلعاد كاين دي فيسون كاين يهضر معاك يهضر معاك دي فاسون تاع الدين تاع الدين سما انا بدين تقنعني اون اوتر شوط ما تقنعنيش كنشوف بوليتيك على بالي فيها دخلات وخرجات اسمح لي احشي فيك
مليح حيت ربي العقيده وحنا نحبينا نطبقوا السنه النبويه هذه ان شاء الله في البلاد هذا لو فيس اي لو بروميير باردون دو لا رونتري دو مسيو بامبلا du retour de M. Bambella. S'il y a quelqu'un qui perd en premier lieu, c'est le fils. En second lieu, c'est le système. Je considère pour ma part que le courant islamique, d'une façon générale, n'apporte pas toutes les réponses aux questions qui nous préoccupent, notamment au niveau de l'écologie, au niveau de notre conception de ce que l'on appelle développement, ce qu'on appelle le progrès, la consommation. Et qu'il y a une expression islamique plus tolérante, plus ouverte, plus qui répond mieux à ses préoccupations. ما المراد بشرائع هو توجيه الناس الوجهة السليمة حتى لا يقعوا في المشكلات. وقوعنا في المشكلات هو ناتج عن الخروج عن الشرع. الطلاق في القرن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطلاق في عهدنا. L'intégrisme n'est pas venu tout seul, premièrement. Et en plus, les lois qui ont été faites, elles ont été faites, les lois que je caractériserai d'antiféministes, ont été faites sous le régime du FLN. Au niveau de la société algérienne, au niveau de la société qui va être marquée de plus en plus par le sceau de l'intégrisme, en fait, aujourd'hui, c'est les femmes qui font les frais, parce que la soumission féminine est plus facile à faire avancer, mais demain, ça sera les laïcs, et demain, ça sera les intellectuels. Je crois à l'écrivain comme iconoclaste, celui qui renverse les tabous. La société algérienne vit tout un ensemble de tabous qu'il faut aussi renverser, en particulier, je pense, aux tabous sexuels, à la situation de la femme dans la société algérienne. On peut mobiliser la jeunesse en lui faisant comprendre l'intérêt de cette action. On peut mobiliser tout un peuple, notamment la jeunesse, à construire l'Algérie, à reconstruire, à redonner nos visages à l'Algérie. Voilà, simplement c'est ça ce qu'il faut lui donner, et avec un système politique de démocratie ouverte, de libre accès à la parole, d'organisation. La jeunesse est aussi très très sensibilisée sur les problèmes de la transparence politique, de la liquidation des polices politiques, de la liberté de parole, de l'état de l'existence d'un état de droit. Grande émotion de retrouver l'Algérie, de retrouver ses couleurs, ses senteurs, de retrouver de très vieux amis, très vieux compagnons de route que je n'ai pas vus pour certains depuis 20 ans, depuis 25 ans, de retrouver une Algérie chaude, des rapports chauds entre les gens, grande famille, mais aussi des sentiments mélangés, certaines quand même, certaines préoccupations concernant la situation dans le pays, la situation économique, la situation de l'Algérie, de l'Algérien, de chaque jour, un peu du drame qu'il vit au niveau de la quotidienneté, au niveau des matières de première nécessité, au niveau de la nourriture tout simplement. Je pense que l'Algérie est devenue très intéressante. Et si elle réussissait
elle apporterait un très grand exemple justement de démocratisation de la vie publique pour non seulement les pays arabes, les pays du Maghreb, mais pour l'Afrique, pour le pays du tiers-monde. Ce qui se passe en Algérie est important. Le peuple algérien a des ressources insoupçonnées qui nous permettent d'espérer que les choses vont évoluer très rapidement, que ce soit sur le niveau, au niveau politique, que ce soit au niveau économique ou social. C'est bon ?